avec notre directeur de course, Kevin. On va faire le décompte avec vous, le public. On a besoin de vous pour les supporter. On est prêt, attention, décompte à 5. Je veux tous vous entendre. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. 7 minutes de course. Voilà, attention au premier virage. Ça risque de se bousculer. Voilà, la question de peur qui maintient toujours donc la tête, suivie de la Méduchonnière en deuxième position et la Nouille en troisième position. Et la mini jaune juste derrière. Là, ça va secouer, je peux vous assurer, dans les virages, avec les deux premiers. Derrière, ça tape. Voilà, avec la Nouille, éjectée et qui perd une place. Alors que dans le virage, là-bas, ça se bat aussi entre la mini jaune d'hier et juste devant la Clésion Pote, qui était en train de se battre avec la Clésion Pote en tête et qui se retrouve derrière. Voilà, attention dans le virage, là toujours, ça serre au maximum avec la Mélinoise. Attention, la course n'est pas finie. Et juste derrière, la Mélinoise, attention dans le virage. Oh là là, ça s'accroche. Ça passe, et ça va être ça à chaque passage. Le Crédit Agricole, ADFA Génard, la FDSEA 53, ainsi que votre hebdomadaire d'information Agri 53, Serre France, Duc de Mayenne, la Chambre d'agriculture, les Gîtes de France, le service de remplacement 53. D'ailleurs, dans le stand des jeunes agriculteurs de la Mayenne, sachez que vous pouvez retrouver le concours photo. Tous les ans et à partir du mois de mai jusqu'à fin juillet, les jeunes agriculteurs de la Mayenne organisent un concours de photos. Culture positive. Voilà, je vous invite à découvrir donc les photos au stand des JA53 dans le village agricole. Ça se bouscule. On est là pour essayer de récupérer des points afin d'être bien placé sur la prochaine grille de départ qui sera très importante. La prochaine grille de départ de la sixième manche, 100% féminine. La malheureuse en tête. Et derrière, ça se bagarre. En deuxième position, toujours Suzon 51. Et la troisième place avec le numéro 17. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé, t'es doucement. La course des femmes. Il y en a qui pressent de partir. Hein. C'est bon, Kevin ? Mesdames et messieurs, vous comptez avec moi. Attention, on compte à l'amour. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà pour cette manche 100% féminine, première course avec donc les Moss d'Atlante. Attention au virage. Voilà, là c'est serré dans le virage, ça passe pour la numéro 120, les Segréens. Voilà, on peut les applaudir pour ce premier passage sur la ligne, la Clésion Pote du canton de Saint-Aignan-sur-Eau, les Sud-Mayennais. Et on va retrouver juste derrière la Nouille. Poiron. La Nouille, c'est une ligne New Holland. L'année de la machine 1975 et sur le circuit depuis 2012. Avec un moteur de 110 chevaux et un poids total de 6 tonnes. 5, 4, 3, top, c'est parti. Voilà, avec un excellent départ de la Valeureuse,
Eh bien, comme son collègue masculin, pas de détail, elle prend la tête dès le départ avec la pole position et juste derrière la torpille avec le numéro 17. Alors là, on sent déjà qu'on a des machines un peu plus puissantes, ça va beaucoup plus vite. Voilà la valeureuse qui entame son premier tour en tête. En deuxième position pour l'instant avec le numéro 17, la torpille. Ah, c'est passé. Non, c'est pas passé. Attention dans le virage. Excellent pilotage de la sauterelle qui a réussi à maintenir sa place. Voilà, attention dans le virage, parce que c'est là où on va prendre justement. Eh bien, le premier ministre. Il faut absolument assurer un bon départ pour éviter la bagarre derrière. Oh là là, ça s'accroche, ça s'accroche au virage. Entre le numéro 10. Vous allez avoir des surprises et on continue. Il faut bien qu'il reparte donc avec la Sanka et ce moment là, il va falloir prendre tous les vides pour revenir. Et sur le passe pour ce moment là. Amis du public, je continue pour le décompte, attention, c'est la dernière course, c'est la finale, 5, là, ça va 4, boiter, là. 3, top, c'est parti. Allez, attention, toujours dans le premier virage, sur la 16 bouscule, on se bat pour évidemment prendre la tête, et je vous l'avais dit. Avec le golf en tête pour la salle de la hop, hop, hop. Mais je vous disais que ça va très nerveux et qu'il y a eu l'air du spectacle. Oh, il est passé par-dessus le truc. Attention, la balance qui prend la tête de la course maintenant. Il va le faire. Il a sauté. Et on va trouver la tête de la course avant la balance. Et on se rend compte qu'on est super loin du Jenna. Un petit pas de black dance, je bouscule une top modèle. Je me dis c'est dead, elle ressemble à mon ex Anna. Et oui je suis faible, et je suis qu'un homme qui boit des litres, donc tout le monde s'arrête. Salut! Tiens à toi parce que ça va bouger dans les virages.
T'as l'air malin. Allez, double-le, pousse-le. Pousse-le. Attention, ça avance plus. Allez, Quentin. Vas-y, vas-y. Ça braque pas, hein. Allez, Nora, vite. Vas-y, Lila. Allez, à fond les gamelles, tu te fais doubler. Ah, il déconne, celui-là. Allez, c'est pas grave. Allez, à toi, Nora. Tu la laisses, Nora. À toi, Nora. Essaye de rattraper Lila, il marche mieux le tien. Tu as poussé Nora pour l'aider à décoller. Allez, c'est parti. Doucement. Allez, non, mais pousse-la normal. Juste pour les lancer, stop. Allez, tu fais le reste, Nora. Allez, Nora, tu forces. Allez, Nora. Allez, ça descend, là. Ils déconnent, les machins. T'es trop grande pour ça. Allez, avancez. Ils sont beaux, hein. Il est tout petit, celui-là. Allez-y. On attend la deuxième pause. Il est pas... Il est pas repos demain. Voilà, comme je vous disais là, dans le premier virage, donc c'est toujours très nerveux, on monte la butte et c'est donc la Mégane pour l'instant qui prend la tête. Voilà, la Mégane toujours en tête de course, suivie avec donc la 106, la Clio pardon, et le numéro 7. En troisième position, c'est la 106 qui finit deuxième lors de la course précédente. Ouais. Numéro 7, attention aussi à la 106. La 106, verte et jaune, qui finit deuxième tout à l'heure. Voilà, toujours en tête la Mégane. En cinquième position, on retrouve la 306, voilà, avec le numéro 85. La 306 qui a remporté la manche précédente. Voilà, la Mégane reprend la troisième place. Attention dans le virage. La remontée. Je peux vous assurer que jusqu'au dernier tour, on peut avoir des surprises. 8 minutes de course. Attention au départ. Ils ont pas fait. Et c'est parti. Allez, 8 minutes de course. Voilà, avec un excellent départ du numéro 85. Voilà, le 85 avec sa 306. Et juste derrière, la 206 bleue. Là aussi, très bon départ. Et derrière, on suit. Et là, ça commence. Allez, la 106, oh non. Allez, dernière, la 106. Numéro 85. Derrière, on retrouve donc une 206. Je vais rappeler à une voiture que vous pouvez retrouver donc, sur la piste. Oh la vache. C'est reparti. On se retrouve avec une Peugeot 106, une Peugeot 205, une Renault
Peugeot 306. Alors là, je sais pas ce qu'il a perdu sur la route. Il a percé un morceau. Ah, c'est le ventilateur. Ou l'express. Et j'ai bien peur que l'utilitaire va perdre une porte. Je sais pas si c'est celle du passager ou derrière. Attention vers le virage. Voilà, toujours donc avec la 306 rouge en tête avec le numéro 85. Oh là là. Voilà, c'est chaud dans ce virage. Avec Eden, Antoine, Arnaud, Maxence, ainsi que Laurine, la torpille, du canton de la Val Argentré. Juste derrière, c'était la petite nouvelle. Voilà. Oh les bombes, attrape. Et elle est équipée d'un 6 lames sans disque. Juste à l'heure, nous allons mettre la demi-forme. La demi-forme, une nouvelle lame, Pleasant M140. On les retrouvera bien évidemment en finale. Là, il y a des bons becs. Avec le numéro 6, attrape Jerry. Du canton d'Evreux-sur-Suzanne. Regarde, attention. Putain. Vous avez seconde. Voilà, la vidéo de seconde. Avec Julien, Charlie, Gaïta et Anaïs. Ah regarde en rose. Avec un poids de machine de 5 tonnes. La minute, je vous dis.